Un equipo de investigadores de la Universidad de Chile dio con una nueva especie de dinosaurio acorazado tras hallar un fósil íntegro de 74 millones de años en la sureña región de Magallanes, el descubrimiento más importante de la paleontología chilena junto con el Chilesaurus Diego Suárez y el hallazgo de alto impacto mundial. Salut les égarés. On dira que cette vidéo est la vidéo de Noël parce qu'on va parler d'un tout nouveau dinosaure, un dino tout choupi, trop mignon, qui en plus possède une queue en forme de guirlande, ou de branche de sapin. Alors quoi de mieux pour finir l'année? Nous allons donc découvrir Stegorus elengacen, un ankylosaure du campanien supérieur du Chili, vieux d'environ 74 à 71 millions d'années. Ce représentant adulte est un fossile complet à 80% environ, et comprend à peu près toutes les parties du squelette, à l'exception notamment des os, du pubis et du sommet du crâne. Son nom de genre signifie « queue à toi », du fait des ostéodermes qui se sont développés d'une manière tout à fait originale et jamais vue chez les dinosaures à armure autrement appelés tyréophores, qui comprennent les stégosauria et les ankylosauria. Le nom d'espèce est quant à lui un hommage à une créature mythologique des Aonikenk, les habitants indigènes de la vallée Rio Las Chinas, formation Dorothea, où l'holotype CPAP-3165 a été retrouvé. Ce qui a intrigué Alexander Vargas et son équipe, c'est bien évidemment cette queue portant 7 paires de stéodermes se développant comme une fronde de fougère. On ne sait pas tout à fait s'il s'agissait d'une arme, à l'instar des massues présentes sur la queue des ankylosaures les plus dérivés, ou encore des épines présentes chez les stégosaures. Ce que l'on sait, c'est que chez les tyréophores, il y avait une tendance à développer de manière indépendante différents mécanismes de défense basés sur les ostéodermes. En parlant de stégosaures, les chercheurs nous disent que Stegorus présente bien une allure générale digne de ses cousins ankylosaures, mais que son bassin est bien plus proche de ceux que l'on retrouve chez les stégosaures, de quoi donner des idées aux chercheurs quant à une éventuelle lignée inconnue chez les dinosaures cuirassés de l'hémisphère sud, zone géographique où l'on ne connaissait jusqu'alors seulement deux genres de tyréophores, Coonbarasaurus en Australie et Antarctopelta en Antarctique. Cela donnerait des preuves solides qu'il existe un lien biogéographique entre le Chili et la zone australo-antarctique. La queue des Stegorus est courte, seulement 26 vertèbres, dont les 12 dernières sont recouvertes des 7 paires de stéodermes, dont les 5 derniers fusionnent pour former une structure connectée plate. Avant lui, Celidosaurus détenait le record de la queue la plus courte chez les tyréophores, avec seulement 31 vertèbres caudales. Le crâne incomplet semble proportionnellement grand en comparaison du corps et présente un prémaxillaire édenté et des sutures encore visibles à l'arrière du crâne du fait des os non soudés dans la partie postérieure. Les vertèbres cervicales courtes et aux centres vertébraux larges sont caractéristiques des ankylosaures, mais les côtés creux sont comparables à ceux présents chez les stégosaures. Comme Antarctopelta, le sacrum est dépourvu de caudosacral, un caractère basal. Le deuxième doigt des membres avant possède deux phalanges, comme chez les stégosauriens. Stegorus possède un fémur très droit et à peine plus long que le tibia, ce qui le rapproche des ancêtres coureurs qui avaient un fémur sensiblement plus court. Les ankylosaures ultérieurs ont en général des jambes très courtes. En plus de cela, ce petit ankylosaure possède des pieds étroits, le rapprochant encore un peu plus des animaux coureurs. En ce qui concerne les ostéodermes, on peut voir que l'animal n'était pas fortement blindé, malgré la présence d'une surface cutanée ossifiée au niveau de la zone sacrée comme chez les nodosauridés. La présence de nombreux osselets en forme de disques circulaires de 4 à 5 mm de diamètre ont été retrouvés autour de tous les éléments du squelette. Ces plaques reliées à la peau par des fibres entrecroisées sont typiques des parankylosauria. Stegorus devait probablement posséder une armure flexible. Les parankylosauria seraient donc une lignée distincte de petits ankylosaures du Crétacé du sud du Gondwana comprenant Coonbarasaurus, Antarctopelta et Stegorus ayant divergé avant les ankylosauridés et les nodosauridés qui ensemble représentent les œufs ankylosauria. Les paléontologues pensent que cette divergence s'est faite très tôt dans le Crétacé et que ces deux branches ont ensuite survécu jusqu'au Maastrichtien. Les parankylosauria se distinguerait donc aussi par l'arme de leur queue nommée Macuahuilt, d'une arme aztèque, qui aurait évolué de manière convergente aux massues des ankylosauridés. Les paléontologues suggèrent donc que Antarctopelta et Coonbarasaurus possédaient eux aussi cette arme en forme de fougère retrouvée chez Stegorus. Pour finir, de ce que l'on sait du paléo-environnement de l'époque, Stegorus côtoyait nombre d'amphibiens, poissons, mammifères, reptiles et invertébrés, ainsi que des sauropodes, théropodes et antisquiens. Voilà les égarés, une petite vidéo d'actualité pour Noël, en attendant la vidéo que je promets depuis trop longtemps sur les élasmosaures. Il est vrai que j'avais promis des nouveautés pour cette année, mais je n'ai pas forcément pu les concrétiser entre Covid, déménagement, nouveau boulot, on s'en sentait plus. Mais ça viendra.
En attendant, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, et moi je vous dis à très bientôt. Joyeuses fêtes de fin d'année à tous !